Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour du Kraken en speed, mais attention, le réel speed est plus possible comme avant puisqu'on peut plus skip simplement la collecte de bois, donc c'est devenu galère. Donc on est le 15 aujourd'hui septembre, la vidéo sera sans doute publiée aujourd'hui pour tous ceux qui veulent environ savoir si c'est l'ancienne version ou la nouvelle puisqu'il y a eu un entre-deux. Puisqu'avant on ne pouvait pas passer le bois, on a pu passer et ensuite on a rechangé. Donc côté stuff, je suis là-dessus. Évidemment, c'est pas le plus optimisé, même côté stats. Si vous pouvez privilégier un tout petit peu plus de vitesse de déplacement, est-ce que vous en aurez besoin pour faire le tour? Moi c'est plutôt galère, j'attends simplement mon changement d'armure. Et ensuite j'enlèverai cette fameuse pierre d'esquive pour remplacer pour de la vitesse de déplacement. Mais sinon tout le reste, c'est plutôt optimal. Donc on commence par du 10, on fera du 20 aussi en solo, mais là le but c'est d'aller aussi le plus vite possible. Donc tout ce qui est perso, il y avait forcément des combinaisons différentes. Donc pour tenir en solo, pas oublier de faire la désynchro avec la personne avec qui je rejoins. Donc ok, dans tous les cas il m'aurait pas grandement aidé, mais hop, on passe sur les nœuds mobiles. Et là, on devrait être tranquille. Donc là, le but, c'est du coup de récolter le plus rapidement possible. Mais vu que dans tous les cas, maintenant, on n'a plus le passage de la collecte, autant en fait récupérer de l'XP au passage et essayer de finalement gagner du temps. Qu'on a 37. On va baisser juste un tout petit peu. Voilà. 48, 50, on est tout bon. Voilà, level 11. Donc malheureusement, ça fera perdre du temps. Je pense qu'on va augmenter le temps du niveau avec la collecte là, de facile 2. Parce que le record pour du 20 à 2, c'était 5 unités et quelques. Là ça va être galère. Tiens, il y a un problème sur mes PV. Comment ça se fait qu'il ne m'affiche que 473? Bon, c'est pas très grave pour le niveau 1. Espérons que ça ne bug pas après. Allez, ça avance. J'ai pas eu non plus des aptitudes de ouf. C'est un peu long, donc 2 exceptionnellement j'utilise Anubis parce que je l'ai que level 1 et est-ce que du coup je l'ai dévoré il y a pas longtemps et j'ai pas encore eu assez de chance de l'avoir hop dans des coffres, mais faut pas hésiter à l'utiliser dans les derniers niveaux hein. Vraiment il est très très bon. Alors voilà, et puis tentacule pacte démoniaque. C'est ça l'avantage aussi. Hop, faut juste faire gaffe au PV. C'est avec la réduction. On peut très vite faire mal. Hein. Hop, à nouveau le truc de colère. Hop. Je pense que ça va piquer dur là. Hein. 600, 1000, 2006, 3000. Ok, vous voyez, ça a duré que quelques secondes, donc faut pas hésiter vraiment à l'utiliser pour les autres niveaux. Alors, Skull. Skull, à partir du moment où vous avez le poison, autant mettre d'ailleurs le feu. Ce que j'ai d'ailleurs oublié de faire. Alors, attaque, évidemment, plus de crâne. Ah, ça va être plus facile pour farmer. On a besoin de 55, donc on n'a pas besoin de faire le grand tour. Hop, encore quelques-uns. Voilà, j'ai les 4 qui me manquent. Donc évidemment, c'est décevant de ne plus avoir le fait de pouvoir passer le bois. Très pratique pour venir choper soit des pierres ou soit juste des trophées, même si c'est pas forcément le plus rentable pour aider vite fait, c'était pratique. Alors le 4,
On est avec Greywolf. Donc, à rappeler que on reçoit moins d'XP, mais ça changera pas grand-chose. Allez hop. Vous voyez qu'avec une vitesse de déplacement un peu plus élevée, on mettrait vraiment beaucoup moins de temps. Après, ça sera du coup au dépend du fait que les monstres iront pas aussi vite que vous et vous devrez quand même les attendre un tout petit peu. Et donc finalement reperdre du temps derrière. À moins de ne pas rusher du tout les niveaux. Mais du coup là aussi vous perdrez du temps. Puis vous ferez moins de dégâts évidemment. Allez, ce niveau va plutôt vite. Donc on a perdu du temps sur le niveau 1 juste. Avec Spider, on n'a pas eu beaucoup de chance, donc ça peut être remplacé par n'importe qui d'autre. Hein. Juste, vu que Spider, je l'ai en éveil. Il suffit d'un peu de chance et ensuite ça fait très très mal. Hop là. Donc, oui, Pirate fait très très mal aussi. Laisser les tentacules faire un tout petit peu. Allez, le bois restant, on est bon après. Voilà, le vélo aussi. Merde, comment ça se fait? Bon, on aura perdu 3-4 secondes ici. Mais on va lui faire très très mal. Donc, level 6, faut pas oublier, il n'y a pas de soin. Faut choisir un perso en conséquence. Pour ma part, ce sera ancien Wad, ça me permet de tuer tout le monde assez loin. Et puis d'être pareil à une distance correcte du boss. Au cas où, parce que finalement, j'ai quand même pas mal de PV déjà. Alors, on prend du dégât, de la tentacule. Donc attention, là on est à 60 qu'il faut récolter. On reste dans le raisonnable. Donc j'ai pris la petite distance, nickel. Ça nous aidera pour après. Parce que même avec autant de PV, je vais quand même montrer le bon placement au cas où si vous, vous en avez un tout petit peu moins. Voilà. Hop, on se met ici, on est bon. On a un bon recul. Et le boss, il se finit plutôt rapidement. Allez, niveau 7. Donc l'avantage, hop, on va avoir le temps de choper quelques sièges, je l'espère avec lui. Au moins j'aurai ça. On va prendre du dégât. Allez, faut les choper, hein, les 65 de bois. C'est de toute façon le plus long. Hop, il y en a plus un. Ok, j'ai cliqué du coup sur vitesse d'attaque puisque du coup il fallait dans la précipitation. C'est pas très très grave. Tous les cas, c'est très très violent. On essaie de grappiller le plus de secondes possible. Donc le 8 aussi il va aller très très vite. Avec Ninja en éveil. On sait jamais. Peut-être avoir de la vitesse de déplacement.
Évidemment, si on n'a vraiment pas le choix. Hein. Allez, les 5 qui manquent. Et là, ça va faire très très mal. Donc on est beaucoup plus rapide que même les premiers niveaux. On a juste perdu, je pense, un bon petit 20 secondes quand même avec les quelques... Le spider qui est pas très bien passé. Alors, pas de soin non plus. D'où le choix. Comme ça, ils sont dans le nuage. Ils meurent et je suis tranquille. Hop, de la vitesse de déplacement. Et là, on va être bon. On va être bon pour faire le grand tour. Vitesse de déplacement, encore une fois. Là, on est pas mal. On devrait être en fait dans ces clous-là à la base. Côté vitesse. Pour être vraiment, vraiment bien. 70. Et on est bon. Allez, on sera environ une moyenne de 1 minute par niveau. Allez, 70 à récolter pour ce dernier niveau. Donc n'hésitez pas à me demander, peut-être que sinon je ferai le 15 aussi, histoire de vous sortir des compositions. Hop, on va tout récupérer ici. Allez, plus que un seul. On va prendre tout ça. J'ai même pas eu le temps de cliquer sur tous les derniers niveaux. Et on est bon, on peut prendre n'importe qui et quitter directement. Donc j'ai perdu les quelques secondes de temps de faire la désynchro. Alors hop, évidemment, Anubis. Donc ça, on s'en fiche. 9 minutes 19, donc on peut tomber en dessous de la barre des 9 minutes assez facilement avec les quelques secondes de perdu. Mais c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Donc c'est vraiment long, malheureusement, de récolter le bois. Mais c'est comme ça, hein, ils l'ont décidé, ils ont refait la mise à jour comme avant. Et puis voilà, on n'a pas trop trop le choix, on subit ça. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve pour une prochaine.